Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre croix celtique approfondie pour le mois d'octobre 2024. Allez, on sélectionne le signe, il en reste 3. Alors, nous allons faire la guidance pour les balances. Bienvenue à vous, balance en signe solaire, ascendant ou vénusien. Vénusien surtout si la guidance est plus dirigée vers le sentimental. J'espère que vous allez bien les balances. Alors pour votre guidance donc générale du mois d'octobre, on va commencer par cet oracle. Donc demandez à votre ange, on va aller voir l'énergie dominante du mois, la tendance. Ensuite, on fera notre croix celtique avec deux tarots, donc le tarot mystique et le tarot du jardin de la sorcière. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de cet oracle communiqué avec son ange gardien. Voilà balance, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous aider, va vous parler. En tout cas, c'est le but, hein, vous le savez bien. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne afin de me soutenir. Merci à tous les balances qui le font, qui contribuent justement au fait que je continue. Hein. Je suis sur YouTube depuis 4 ans et demi et je compte bien y rester, mais c'est aussi un petit peu grâce à vous. Donc merci beaucoup balance. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe, pour moi c'est le plus important pour pouvoir s'apaiser, faire des choix éventuellement, évoluer, en tout cas voir plus clair, hein, c'est très important. On aura des conseils, des prédictions de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Allez balance, on y va pour votre guidance. Je vous remercie d'avance pour votre écoute et un excellent mois à vous. Et balance, surtout un joyeux anniversaire à toutes et à tous. Plein de belles choses pour vous. Allez go! C'est parti les amis, on y va. Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'intro, hein, ça arrive qu'on passe parce que voilà, on sait déjà ce qui est dit dans l'intro. Je vous souhaite, balance, à toutes et à tous un excellent anniversaire. Hein. Passez vraiment un bon mois et plein de belles choses pour vous. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de votre mois d'octobre. Donc, je ne sais pas si vous êtes en fin de cycle ou en début d'un nouveau cycle, mais on va voir ça tout de suite. Alors, on a deux cartes, on ne va pas les prendre, on va en prendre qu'une seule. L'énergie dominante de votre mois d'octobre, les balances. Ouh, fin de cycle. La nuit noire de l'âme. N'ayez pas peur. Ok, vous savez qu'avec moi, je ne fais pas de complaisance. C'est important de transmettre les messages hein, des guides. Hein. Si cette carte elle est sortie, elle n'est pas pour rien. Mais il y a toujours une raison. D'accord? Il faut être optimiste. Hein. Des fois, c'est très important de passer aussi par cette nuit noire de l'âme. Peut-être, et balance, vous y sortez. Donc, on ne panique pas. Et on va voir la suite, surtout avec le... surtout avec le... Comment on appelle ça? La croix celtique. J'allais dire le tarot celtique. Non, la croix celtique. Allez, on va regarder cette nuit noire de l'âme, hein, ce que dit la carte. Hein, parce que là, hein, traverser une nuit noire de l'âme, déjà, je vais vous expliquer, c'est compliqué. Souvent, c'est suite à une rupture d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être une rupture sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, un décès. Bon, peu importe, hein, on traverse cette nuit noire de l'âme, mais... Généralement, cette nuit noire de l'âme, dans la nuit noire de l'âme, on souffre énormément. D'ailleurs, c'est un petit peu comme un décès, hein, vous voyez cette rupture, mais on se remet en question. Et c'est ça qui est bien, c'est la remise en question sur soi-même parce que ça nous permet justement d'avancer, peut-être de ne pas répéter certains comportements. C'est très, très, très important. Et dans les liens d'âme, bah, la nuit noire de l'âme, bah, arrive au moment de la rupture, mais on souffre comme si on nous enlevait une partie de nous-mêmes, mais en même temps, on a cette certitude et on est persuadé qu'on va se retrouver. Mais encore une fois, il y a toujours cette notion de remise en question. Hein. Donc, c'est ça la différence entre la souffrance d'une rupture et la nuit noire de l'âme. Dans la nuit noire de l'âme, on comprend énormément de choses sur nous-mêmes. Ok ? Allez, on va aller voir ce que dit la carte. Voilà, je suis tombée dessus directement. Alors, si vous avez tiré cette carte à ce moment précis, cela signifie probablement que vous faites en ce moment même l'expérience de la nuit noire de l'âme. Il se peut que vous vous sentiez perdu, effrayé, confus, bloqué, en colère ou submergé d'émotions. Il se peut que vous vous sentiez sans aide et sans espoir, comme si rien ne pouvait ou n'allait changer, quoi que vous fassiez. Il se peut que vous vous sentiez seul, isolé, comme si personne au monde ne vous comprenait. Il se peut que vous ayez peur, que vous vous sentiez en colère ou confus, parce que ce que vous pensiez être votre réalité établie vient d'être anéanti. Il est important que vous compreniez que c'est un changement de conscience nécessaire. Vous devez laisser le passé derrière vous et vous laisser aller dans cet espace étrange et inconnu, jusqu'à ce que vous ayez fait face à tout ce que vous deviez voir et intégrer
tout ce qui devait l'être. La renaissance qui se produit en ce moment vous apportera plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et quand le soleil se lèvera à nouveau, un vous nouveau et plus clair émergera un jour nouveau où un nouveau monde de possibilités s'ouvrira à vous. J'ai envie de continuer à lire puisque j'ai pris à ce niveau-là, hein, parce que bah, c'est très long, mais j'ai envie de continuer quand même. Hein. Et je pense que d'ailleurs, je vais tout vous lire jusqu'à là. C'est très important parce que c'est très, très important ce qui se passe, Balance. Hein. La lumière représente la conscience. Elle nous reflète un monde en éveil de façon que nous puissions vivre ce reflet, l'interpréter et lui donner du sens, ce qui nous permet d'être dans ce monde plus efficace. Lorsque le monde qui nous entoure ou notre univers intérieur commence à changer, notre esprit conscient ne peut donner du sens à ces nouvelles informations car il fonctionne encore selon les anciennes interprétations qui ne sont plus d'actualité. Nous entrons dans un nouvel espace et l'esprit a alors besoin de se libérer des anciens schémas, idées et illusions tout en se donnant l'espace nécessaire pour intégrer un nouveau niveau de conscience. Les changements intérieurs ou extérieurs qui se produisent pour provoquer ces modifications de conscience sont souvent choquants, accablants et nous désorientent. L'esprit doit quitter l'espace de clarté, de sécurité, confort et chaleureux du jour et voyager jusqu'au royaume inconscient de la nuit. C'est là que nous ressentons la rupture avec ce qui était auparavant notre réalité et que nous commençons à ressentir une nouvelle vérité émerger de l'intérieur. Ce processus dans son ensemble est effrayant, mais en fin de compte, c'est cette mort et renaissance que notre conscience, de notre conscience qui nous permet de grandir, de nous accroître et de poursuivre notre route à travers différentes étapes de la vie. Bon. Très important ce qui se passe, Balance. Hein. Après, généralement, la nuit noire de l'âme, on la vit très, très mal. Mais il y a aussi des degrés, bien évidemment. Hein. Bon, allez, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit la croix celtique. Mais je ne sais pas si vous avez le signe de la Vierge dans vos autres signes. Mais si c'est le cas, c'est peut-être important d'aller voir la guidance de la Vierge. Hein, parce que il y avait cette notion de nuit noire de la main. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner pour vous. Mais on va voir. Allez, c'est parti. Donc, ce que je fais, je pose les 14 cartes nécessaires pour la croix celtique. Je vais vous les énoncer, bien évidemment. Sachez que j'interprète les cartes, en tout cas avec ce tarot, à l'endroit et à l'envers, avec le deuxième tarot uniquement à l'endroit. Et si vous voulez accélérer un petit peu la vidéo, que vous ne voulez pas patienter, vous tapez tout simplement, vous tapotez ici sur le côté droit de l'écran et vous allez voir que ça avance à chaque fois de quelques minutes. Allez, de quelques secondes, pas quelques minutes. Allez, c'est parti. Allez, il faut juste que je récupère mon petit papier là-bas, là. J'arrive. Voilà. Allez, on y va. On pose les 14 cartes. Alors, le cavalier de coupe, le roi d'épée, l'ermite, le magicien, les amoureux renversés et l'impératrice à l'envers, le 8 de bâton, le fou, la lune, l'empereur. Waouh, on a pas mal d'arcanes majeures. Hein. Ça a l'air d'être très important pour vous, Balance, par contre. Hein. Le roi de bâton, le cavalier de coupe, le 2 d'épée et le diable. Ouh. Alors ici, on a quoi? On a un 2 de denier renversé. Il y a un manque d'équilibre, effectivement, Balance. Il y a une forme de déséquilibre, en fait, hein. actuellement. Alors, attendez. Hop, on va faire comme ça. Et puis, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure, si besoin. Il y a un déséquilibre, les amis, ici. Il y a un déséquilibre. Alors, je pense que, là, actuellement, je vous sens vraiment ressentir la blessure du rejet, hein, Balance. Hein. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez pas important dans une situation. Il y a vraiment il y a une blessure d'amour-propre,
hein, j'ai envie de dire. Et ça crée clairement un déséquilibre parce que Balance, vous êtes un signe d'air, hein, vous êtes gouverné par Vénus, mais vous avez aussi besoin de reconnaissance un petit peu comme les lions. Vous voyez, c'est là votre ressemblance avec ce signe Balance, hein. Et là, je crois que dans la situation en question, vous en avez pas. En tout cas, vous ne le ressentez pas et ça crée un déséquilibre chez vous. C'est comme si les plateaux de votre Balance, là, ils sont complètement sans dessus-dessous à l'envers. Peut-être que rien que ça vous fait déjà tilt. Hein? Et effectivement, c'est peut-être ça aussi qui cause cette nuit noire de l'âme. Bon. Mais effectivement, c'est peut-être que hein, ce que vous recherchez de l'extérieur, il faudra vous l'apporter à vous-même. Vous voyez? C'est ça aussi, cette nuit noire de l'âme, pourquoi elle est importante? Parce qu'on se remet en question. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça me déséquilibre. Mais pourquoi j'attends autant de reconnaissance? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon histoire, dans mon passé, dans mon enfance, pour que ça me touche à ce point-là? Bon, allez, on peut commencer. La situation, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, on va voir, on va recouvrir. Hein, parce qu'on parle de. Alors, avec le cavalier de coupe, de toute manière, Balance, c'est quelqu'un qui est là. Hein, sinon, la carte, elle serait tombée renversée. Hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est là, qui. Alors, peut-être qui est présent, mais qui n'est pas, comme vous le souhaitez, romantique et compagnie et compagnie. On va voir. Alors, on va recouvrir ce cavalier de coupe. Reine d'épée, hein, vous êtes là. La reine d'épée. Alors non, moi je pense plus que la situation, c'est que c'est vous qui êtes dans l'amour avec une personne. C'est vous qui l'êtes. Mais il n'y a pas de... C'est déséquilibré. Il n'y a pas de... C'est que dans un sens, Balance. C'est que dans votre sens. D'où cette nuit noire de l'âme. Pourquoi elle est importante? Parce que pourquoi vous acceptez, pourquoi vous vous infligez ça, que ce soit tout en vous, vous, que de votre, que dans votre sens à vous. C'est ça en fait. Cavalier de coupe, reine d'épée, c'est vous qui faites, Balance, c'est vous qui faites, c'est vous qui proposez, c'est vous qui séduisez, c'est vous qui donnez de l'amour, c'est vous qui faites, c'est vous qui communiquez, c'est vous, c'est tout en vous. C'est pas équilibré, c'est pas du tout équilibré. Votre défi challenge, eh ben, c'est d'être le roi d'épée. Parce que là, la reine d'épée, c'est une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Et dans l'énergie féminine, automatiquement se pose en position de soumission. Donc c'est vous qui faites, c'est vous qui, c'est vous. Alors que le roi d'épée, c'est le mâle alpha, c'est l'énergie yang. Hein. Donc là, votre challenge défi, Balance, soit ça va être d'être comme le roi d'épée, de prendre des distances, parce qu'à un moment donné, c'est que dans votre sens, ou soit d'être cash, de vous exprimer en tant qu'énergie yang et d'exprimer vos besoins. La justice, de rétablir la justice, d'exprimer, d'être juste déjà envers vous-même. Un balance, c'est ça votre challenge défi, c'est de rétablir ces plateaux de la balance qui sont complètement en déséquilibre qu'on avait vu tout à l'heure. C'est d'arrêter de vous infliger l'injustice. Et de soi, alors à vous de voir, vous pouvez soit exprimer que vous voulez que ce soit 50-50 et plus 90-50, 90-10, ou soit vous faites un choix difficile mais important, je prends des distances. Mais là, il faut vous faire justice, Balance, dans cette situation, parce qu'elle est complètement déséquilibrée. Finalement, vous êtes mal, vous êtes dans une nuit noire de l'âme, parce que simplement, vous ne respectez pas vos besoins, les besoins de votre âme. Ça ne doit pas être que tout tant que vous. Mais peut-être que vous avez peur de perdre la personne aussi. Alors, adapter, ça peut être dans le travail. C'est tout en vous qui faites, c'est vous qui dépannez, c'est vous qui faites plus d'heures, c'est vous qui... Voyez, adapter. Là, l'idée, c'est de s'affirmer ou de prendre des distances, mais de rétablir les plateaux de la balance. Parce qu'émotionnellement, là, c'est complètement déséquilibré. Bon, les facteurs inconscients, eh bien voilà, les facteurs inconscients balance, c'est que vous êtes complètement seul, l'ermite. Et en plus, je n'ai pas l'impression que vous en avez vraiment conscience, puisque là, on est dans les facteurs inconscients. On a la solitude avec l'ermite. L'ermite, énergie de la Vierge. Vierge gouvernée par Mercure.
Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans l'attente de communication, vous êtes dans l'attente même de savoir, de comprendre, voyez? Et vous êtes seul en fait, vous êtes seul à faire et vous êtes seul dans la situation en question. Donc ça, on est dans les facteurs inconscients quand même, hein. Faudrait que ça revienne à la conscience. D'épée. Et voilà, vous êtes seul à souffrir. Voilà, c'est ça les facteurs inconscients. C'est que vous comprenez pas pourquoi ça le fait pas, pourquoi ça matche pas, pourquoi on vous laisse seul, pourquoi on vous parle pas, pourquoi on vous comprend pas. Voyez, c'est un peu tout ça. Et en plus, vous cachez votre peine. C'est ça le pire. Vous cachez que ça ne vous convient pas, vous cachez que ça vous fait mal, mais ça fait mal. 3 d'épée. Ça brise le cœur en fait. C'est moi, tout le temps moi. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est une habitude dans toute votre vie, quoi. Donc là, la nuit noire de l'âme, c'est qu'en fait, vous infligez à votre âme quelque chose qu'elle ne supporte pas. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans la nuit noire de l'âme. Et ce qui est inconscient aussi, Balance, c'est que ben vous faites constamment souffrir. Vous vous faites souffrir, vous faites payer quelque chose parce que vous le savez que c'est un schéma qui se répète. Mais c'est l'habitude et pour vous, c'est même devenu normal en fait. Alors que non, c'est pas normal. Ça doit pas être tout en vous. Vous méritez aussi de recevoir. Donc le passé récent, on a le magicien, bah oui, bah vous avez beaucoup fait, hein. Hein? Le magicien, c'est vous, hein. Vous avez beaucoup fait, vous êtes investi, vous avez même trop fait, vous avez, voilà, vous avez créé, vous avez tout fait, vous avez. Les facteurs inconscients, j'avais le 6 de coupe en dos du paquet, hein. C'est que ça démarre de l'enfance, hein. Soit il fallait se faire petit, soit vous avez été fils ou fille unique et que vous en avez souffert de cette solitude. Mais que vous avez pris l'habitude, ou soit il fallait pas exister, il fallait vous faire petit, il fallait faire le moins de bruit possible. Bon. Allez, le passé récent, le magicien, donc ouais, vous en avez beaucoup fait, vous avez. Ah voilà, la mort. Et oui, et passé récent, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré que vous avez fait, il y a eu une fin. Il y a eu une fin malgré tout. On a, franchement, les amis, on a énormément d'arcanes majeures. Donc là, c'est une fin de cycle. Hein, pour vous, Balance, c'est normal. Mais c'est très important ce qui se passe. Donc vraiment, pour ceux à qui ça, enfin, pour qui ça peut aider, prenez bien en considération les messages et l'énergie. Hein, parce qu'avec tous ces arcanes majeures, c'est hyper important. Là, c'est très crucial pour la suite de votre vie, pour les prochaines années. Hein. La mort. Donc voilà, vous avez le magicien, la mort. Vous avez fait, en attendant un peu de reconnaissance ou un peu d'évolution dans la situation. Et finalement, elle s'est déjà finie dans le passé. Elle s'est finie dans le passé. La mort. Énergie du scorpion. Alors là, ça vous a bouleversé. Ouais. Ça vous a complètement bouleversé. Ça a transformé quelque chose. Hein? C'est lourd quand même, hein. Ça vous a détruit même. Hein. J'ai tellement fait, pourquoi? Pour récolter quoi? Une faim. Ça vous a mis en crise. Et cette nuit noire de l'âme, elle est déjà là. Hein. Elle est déjà là depuis peut-être un mois, je dirais. Ça a été très fort, très intense, très profond ce qui s'est passé. Je voulais pas grand-chose. En plus, vous voyez ce que j'entends? Oh là là. Oh là là. Valet de denier, la tour, 5 de denier, ça fait ressortir toutes les blessures de l'âme. Mais le pire que j'entends, c'est je voulais pas grand-chose. Valet de denier, je voulais un petit peu d'intérêt, un tout petit peu. J'en ai même pas eu 1%. Non, vous pouvez exiger beaucoup, Balance. Vous pouvez exiger beaucoup ce que vous méritez. L'attitude consciente.
Ben, les amoureux renversés, c'est que vous avez conscience que vous n'êtes pas du tout en accord avec vous-même dans la situation. Vous ne communiquez pas avec votre âme, l'énergie des Gémeaux. Vous êtes déconnecté de vous-même en faisant ça, vous en avez conscience. Et vous avez aussi conscience que ça n'aide pas cette relation ou cette situation. Qu'au contraire, plus vous faites ça, plus vous croyez que ça va finalement arranger les choses, et plus ça vous éloigne de la situation ou de vous-même. Neuf de denier. Deux de denier qui revient là. L'attitude consciente, c'est bien, c'est parce que vous avez conscience que vous devez faire un travail sur votre complétude, balance. C'est ça en fait. Vous devez faire un travail, votre complétude c'est quoi? C'est combler tous vos manques par vous-même. Avant de chercher à être comblé par autrui, les combler par vous-même. C'est-à-dire être heureux dans votre vie, dans votre job. Si par exemple là, on parle du sentimental, avoir un job qui vous convient, avoir une petite activité, avoir des amis, avoir une famille, vous voyez, c'est un peu ça. Et l'autre sera la petite cerise sur le gâteau, sur votre bonheur, quoi, tout simplement. Et ça, vous en avez conscience, mais vous avez aussi conscience que vous n'êtes pas du tout dans votre complétude. C'est pour ça que vous placez l'autre au centre de votre vie. Ou bien tout ce que vous investissez dans votre travail gratuitement, hein, parce qu'à côté de ça, il n'y a rien d'autre qui existe. Voyez, ça, vous en avez conscience, balance. Donc, les conséquences à prévoir pour ce mois d'octobre, on a l'impératrice à l'envers. Bon, ben, vous allez arrêter d'être la maman d'eux. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez arrêter d'être dans la bienveillance, d'être dans le soin, d'être dans la compréhension, d'être dans l'acceptation, d'être dans le sacrifice, de manquer de tout. Vous allez arrêter. L'impératrice à l'envers, énergie du bélier. Vous allez reprendre votre énergie, votre force physique, vous allez passer à l'action et vous allez dire « moi maintenant j'arrête en fait, je souffre trop ». Et c'est ça, c'est en ça que sert la nuit noire de l'âme. C'est pour qu'on se remette en question sur nos comportements qui ne nous servent pas. Ah, et le soleil, et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et en plus, vous allez avoir plein de révélations aussi sur vous-même, balance, que vous êtes capable d'être comme ça. Et peut-être même qu'en étant comme ça, vous allez enfin être vu. En arrêtant ce schéma-là de sacrifice, de soumission, vous allez enfin être vu par la personne, la situation, le job, hein? Mais on a le monde là en dos du paquet. Donc effectivement, le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. C'est la fin d'un cycle, mais pour le meilleur à venir. C'est la fin d'un cycle de tous ces comportements. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est un aboutissement. Hein? C'est terminé tout ça. Donc le monde, c'est magnifique parce que c'est la fin. C'est une réussite. Ça va être le moment de célébrer la fin de ce schéma trop long d'une vie où vous avez été comme ça. Et c'est pas comme ça qu'il faut être. Parce que ça vous dessert et ça vous fait souffrir. Bon, le soleil, énergie du lion, vous reprenez votre énergie vitale. Vous vous affirmez, on vous voit. Énergie solaire, vous êtes enfin vu. Avant, vous étiez dans l'ombre parce que ben, vous apportiez pas à vous-même ce que vous apportiez à l'autre. Donc forcément, l'autre ne pouvait pas vous voir non plus. Là, maintenant que vous arrêtez, que vous apportez des choses à vous, on va vous voir. C'est comme ça que ça marche. Votre énergie pendant ce mois, le 8 de bâton, vous allez être poussé, balance, vous n'avez pas le choix. Là, c'est une fin de cycle, vous n'avez pas le choix. Le 8 de bâton, on veut que vous alliez dans une certaine direction, faire telle chose, être comme ça, c'est pas autrement. Le 8 de bâton, on peut l'interpréter par plein de manières. Hein. Maintenant, une guidance, en tout cas, moi, mes guidances, quand je les fais pas qu'avec l'interprétation des cartes.
J'ai pas passé une formation pour ça, j'ai des cartes dans les mains depuis petite, donc je sais exactement comment les interpréter. Mais je le sais aussi quand on n'interprète pas que les cartes par l'interprétation des cartes dans un livret ou une formation, on interprète les cartes aussi avec les ressentis, avec la clairaudience, la clairvoyance, les voilà, c'est l'intuition, c'est très très fort. Et moi, le 8 de bâton, ça peut parler d'action, ça peut parler de communication, ça peut parler de choses simultanément, mais ça peut aussi parler que l'univers vous soutient, vous pousse. C'est dans une seule direction. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous allez y aller. Parce que de toute manière, vous n'avez pas le choix, Balance. On a le 5 d'épée. Vous allez un petit peu résister, bien sûr, parce que vous êtes un signe d'air. Donc vous avez besoin de comprendre. Et là, c'est une énergie. C'est une énergie qui vous pousse, mais ça va passer par la nuit noire de l'âme, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que c'est la seule façon. C'est la seule façon pour la clôturer son long cycle de sacrifice qui vous fait constamment souffrir, que vous répétez constamment. Hein? Donc oui, vous allez résister, bien sûr, mais vous n'allez pas avoir le choix, vous allez y aller. C'est depuis l'enfance, on me ressort à chaque fois ce 6 de coupe, c'est depuis l'enfance. Et ça va faire mal à la tête, oui, ça va faire mal à la tête. Mais à la fin du mois, vous serez complètement changé, différent, transformé. L'extérieur. Ben, on a le fou avec l'extérieur. Vous allez vous libérer, hein. Vous allez vous libérer de certaines personnes, hein. Le fou, vous allez prendre votre indépendance, votre autonomie. Vous allez progressivement, au fur et à mesure de ce mois, avoir besoin de personne. Je vous vois plus seul qu'autre chose. Là, c'est un travail avec vous-même, hein, Balance. Donc, s'il y a une relation sentimentale problématique, c'est pas le moi. Hein. C'est pas le moi pour. Hein. Vous avez des choses à régler avant, Balance. Privilégiez-vous, hein, avant. Hein. Reine de bâton. Peut-être un signe de feu en face de vous. Bélier, lion, sagittaire et même un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible que vous preniez votre autonomie, votre indépendance, que vous vous libérez, même si c'est momentanément, même si c'est temporairement, d'un signe de feu et d'un signe d'eau. Sinon, vous pouvez être cette reine de bâton. Hein. Hein, vous... Non, mais là, on est dans l'environnement extérieur. Donc non, on a un signe de feu, un signe d'eau. Pour moi, là, je vous vois plus seule qu'autre chose. Pendant ce mois, c'est ce qu'il faut. Peur et espoir. Là, cette carte de la lune, énergie de poisson, du cancer, pardon, et du poisson aussi d'ailleurs, parce que c'est la carte des poissons, ça. Cancer, c'est le chariot. En fait, c'est la carte des poissons dans le tarot et c'est la planète des cancers. Bon, la lune. Peur et espoir, vos peurs, c'est tomber en dépression. Vos peurs, c'est tomber en dépression. Vos peurs, c'est la solitude. C'est toutes ces émotions négatives. C'est d'être seul aussi. Mais vos espoirs, c'est de sortir de cette ombre, de sortir de cette pénombre. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, hein, pendant ce mois. Là, on est dans les émotions, mais de dingue. Hein. Balance, vous êtes dans une hypersensibilité pendant ce mois. Il va falloir vous accrocher. Trois de deniers. Regardez le fou. C'est une libération. C'est une libération, là, ce mois. Est-ce que vous allez avoir peur aussi? Balance, c'est qu'une réconciliation n'est pas possible, de ce que je vois. C'est qu'une collaboration ne soit pas possible. Vous allez avoir peur que pendant ce mois, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, qu'on vous laisse. Mais il ne faut pas avoir peur. Si on vous laisse, on vous laisse. Et si la personne doit revenir, elle reviendra. Ayez la foi, ayez confiance en l'univers. Là, c'est un mois où il faut vous reconstruire, Balance. Il faut comprendre des choses, il faut changer. Mais c'est pour votre bien. Donc, laissez partir ce qui part, et puis vous verrez à l'avenir, quoi. Magnifique, regardez le futur proche, vous devenez l'empereur. Vous devenez l'empereur dans le futur proche. Vous reprenez votre trône, votre prestance,
Énergie du bélier, votre énergie, de l'action, une force physique, une endurance. Voilà, vous devenez quelqu'un, quoi. Hein, on vous voit, regardez l'empereur, il a des marionnettes. Hein. L'empereur, il est au-dessus de tout le monde. Hein. Bon, c'est symbolique, hein, mais il est au-dessus de tout le monde. Ben voilà, vous passez de la lune, d'une énergie cachée, à une énergie qui domine le monde. Eh bien, c'est beau, hein. Mais il y a ce travail-là à faire. Et vous n'allez pas pouvoir y échapper, Balance. Hein. En tout cas, pour ceux à qui ça parle. Mais c'est cohérent. L'ermite, voilà, vous sortez de ça. C'est terminé le monde. L'ermite, c'est terminé. D'être caché comme l'ermite. D'attendre comme l'ermite. D'accepter. Voilà, d'être seul. C'est terminé. Vous êtes l'empereur. Et vous allez être très entouré. Très, très, très entouré. Très respecté. Regardez comment il tient les petites personnes, là. Les personnages en laisse. C'est symbolique, on n'a pas le diable, hein, donc c'est pas négatif. Mais vous voyez à quel point vous allez prendre de la hauteur. Et vous sortez de cet ermite qui est seul et qui s'éclaire de sa lampe en disant, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. L'empereur, il donne envie. C'est fort, hein, Balance, je vous le dis. Hein. C'est très très fort. Hein. Très 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 fort. Hein. Bon, on passe maintenant au domaine. Alors, au niveau projet professionnel, on a un roi de bâton. Je pense que c'est vous, c'est votre énergie. Roi de bâton, pendant ce mois, vous allez vous affirmer. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu. Donc, je me montre, je m'affirme, j'exige, je contrôle. Vous allez vous affirmer. Au niveau professionnel. Je pense que de toute manière, ça, c'est dans tous les domaines que ça se joue. Cette énergie de acceptation, soumission, j'entends soumission. Un valet de coupe. Toujours dans la douceur parce que vous êtes gouverné par Vénus. Donc vous n'êtes pas dominant, vous n'êtes pas méchant, Balance. Vous êtes très doux, vous êtes très gentil. Hein? Toujours dans la douceur, mais avec cette prestance où on sait, je suis gentil, mais attention. Hein, je suis gentille, mais il ne faut pas abuser. Voyez? Toujours dans la douceur. Bon. Au niveau émotionnel, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est le désir, c'est la passion, hein, c'est l'endurance, c'est la détermination. Je vous dis, vous avez aussi. Là, je pense qu'on est plus vers la fin de mois, parce qu'on a une énergie de feu. On a une énergie de feu, de détermination, waouh, les amoureux. Déterminés, voilà, c'est ça. Émotionnellement, déterminés. Les amoureux étaient sortis renversés là. Pas du tout en accord avec vous-même, avec votre âme. Déterminés à être en accord avec vous-même. Déterminés à aller vers ce qui vous convient, vous. C'est très beau au niveau émotionnel. Au niveau sentimental, on a le 2 d'épée. Un choix difficile ou quelque chose que vous ne comprenez pas. Le 2 d'épée, il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Hein. Donc soit un choix difficile, soit un déni dans lequel vous êtes, ou soit quelque chose que vous ne comprenez pas. On va voir ça au niveau sentimental. Peut-être un choix entre deux, certains balancent. Enfin, je pense plus que c'est un choix. Oh, la tempérance. Ouais, choix difficile de prendre des distances. Je pense que là, ça parle du domaine sentimental. Hein. Parce que pourquoi? L'impératrice, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai trop fait pour toi. J'ai trop fait pour toi. Là, je sens que là, pendant ce mois d'octobre, je dois guérir et prendre soin de moi. Énergie Sagittaire. Pour mon épanouissement, pour mon évoluer, pour mon évolution, pour mon expansion, hein. J'ai besoin de prendre soin de moi. Donc je fais le choix de me guérir et de prendre des distances. On vous soutient. Le jugement, c'est votre décision. L'univers vous soutient dans ce sens-là. Énergie Bélier, l'impératrice, vous affirmez. On a tellement d'arcanes majeures, c'est incroyable. On va les compter après. Et la petite surprise du mois, ben on a le diable,
Alors, j'ai eu un autre signe qui a eu le diable aussi. On va recouvrir tout de suite pour voir comment il est inspecté, le diable. La petite surprise du mois, parce que c'est pas toujours négatif, hein, le diable. Ah, la reine de denier. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est capricorne, là. Reine de denier, le diable, ça peut être capricorne, mais on va voir, sinon ça peut être vous. Waouh, le diable sur le diable. Wow. Reine de denier, le diable, on va remettre une autre carte. Waouh, 10 de denier. Bon, j'ai deux cas de figure. La petite surprise du mois, moi je dirais plus fin de mois parce que là il y a un cheminement, là il y a un périple, là il y a un parcours pour vous balancer. Hein, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est Capricorne, à la fin du mois, il y a possibilité du 10 de denier. Donc d'être dans l'abondance, de créer, envisager, même pas pour forcément la fin du mois, mais pour plus tard, envisager de créer, de fonder sa famille, etc. Hein? Si c'est vous la reine de denier, alors là, si vous devenez la reine de denier, regardez-la. Elle a tout. Elle se respecte, elle s'aime, elle est ancrée, elle est dans l'abondance, elle a bien travaillé sur elle, elle a tout ce qu'il faut, elle manque de rien. Alors là, vous attirez le diable, vous attirez, vous êtes très magnétique et vous attirez à vous ça, la prospérité dans tout domaine. Sinon, on a la prospérité avec quelqu'un qui est Capricorne, si il y a quelqu'un dans votre vie qui est Capricorne. C'est très très beau et c'est incroyable. Hein. Et là, avec le 7 de coupe, moi je vous dis, balance, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Hein. Alors là, 8 de bâton qui revient qu'on avait ici, là, laissez-vous guider, laissez-vous pousser, même acceptez tout ce qui se passe, toutes les émotions, parce que vraiment, là, pour vous, ça vous permet d'avancer. C'est aussi une victoire, hein. C'est un nouveau cycle. Hein. Alors là, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, balance, mais il faut que ça se passe. Hein. Là, il y a plein d'émotions confondues, là, mais ça commence mal, mais dans le fond, c'est bien, hein, cette nuit noire de l'âme et tout ce qu'on a vu. Et ça se finit merveilleusement bien. Donc cherchez pas à comprendre, balance, laissez-vous porter. Bon, et ben dis donc, alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 arcanes majeures. 16, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bon, 16 et 16, 32. Voilà, moitié arcane majeur, moitié arcane mineur. Ça, c'est quand même très très fort, hein. La moitié d'arcane majeur, autant d'arcane majeur, c'est quand même très important ce qui se passe. 16 arcanes majeures, 16 arcanes mineures, on est dans la tour. La tour, c'est une déconstruction. Donc oui, c'est la tour qui vous tombe sur la tête, hein, mais après cette déconstruction, il y a une reconstruction magnifique, quoi. C'est très fort, balance, c'est très très beau aussi, hein, vraiment. Hein. Bon, allez, on passe à la suite. On va prendre un petit message de cet oracle. En tout cas, balance, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que cette guidance, elle vous a quand même aidé. Je l'espère vraiment de tout cœur. Elle est très positive dans le fond, hein. Donc je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Hein. Et ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, sous la vidéo, vous avez tous les moyens pour me joindre. On pourra aller comprendre ce qui se passe en détail, au cas par cas. L'évolution, conseil, prédiction, voilà. C'est très, tellement important ce qui se passe, tellement important. Et c'est trop bien, la nuit noire de l'âme, moi j'en ai vécu deux. Hein. Et ça a été très, très, très difficile. On a l'impression de crever hein. Énergétiquement. On n'a plus d'énergie. C'est horrible. Hein. Mais après, on comprend et on dit gratitude. Quand on voit les changements dans notre vie, c'est cool de passer par là, même si sur le moment, c'est difficile.
C'est comme quelqu'un qui apprend une énorme maladie et qui après est en rémission. C'est exactement la même chose. On voit la vie différemment. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc si vous avez des cristaux, portez vos cristaux, hein, ceux que vous préférez avec vous là, pendant cette période très importante, des pierres pour vous apaiser, hein, comme le quartz rose, le cristal de roche, c'est ce qu'il faut parce que ça va être lourd au niveau émotionnel, hein. Et puis nettoyez-les avec de la sauge que vous passez sous la pierre ou bien vous les posez sur un lit de gros sel et rechargez-les lors de la nouvelle lune. Voilà, ou de la pleine lune, hein, en les mettant tout simplement à l'extérieur. Voilà, Balance. En tout cas, votre guidance, vous voyez, elle a duré plus de temps que les autres, mais c'est normal. Il y avait plein de choses à voir, à détailler. Donc voilà, merci pour votre écoute, Balance. Et il n'y a que du bon, pas d'inquiétude. Allez, je vous embrasse. À bientôt, bye.